chevalier de la Légion d'honneur. Le lieutenant-colonel Sébastien Le Tellier intègre en 2001 l'école des sous-officiers de gendarmerie du Mans à l'issue du service militaire et rejoint en 2002 l'escadron de gendarmerie mobile 21 sur 3 de Mont-Saint-Aignan. Suite à sa réussite au concours, il intègre en 2005 l'école des officiers de... Maréchal des logis-chef Cédric Combes, au nom du président de la République, nous vous conférons la médaille militaire. Le maréchal des logis-chef Cédric Combes est appelé à l'activité le 1er janvier 1998. Il servira tour à tour dans différentes unités territoriales avant d'être affecté en 2019 à la brigade territoriale de Maran. Le maréchal des logis-chef Xavier Tauzin intègre l'école des sous-officiers de gendarmerie du Mans en 2000. Il rejoint l'escadron de gendarmerie mobile de Niort avant l'antenne GIGN d'Orange. En 2022, il gagne les rangs du PR. Tristan Lacroix, au nom du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, nous vous décernons la médaille de bronze d'honneur pour acte de courage et de dévouement. Le 18 juillet 2020, un groupe de personnes qui se trouvent sur les berges de la Charente à Saintes décide d'aller se baigner dans le fleuve. Alors qu'ils reviennent sur la berge, Tristan Lacroix constate que l'un d'entre eux reste dans le fleuve et ne parvient pas à sortir la tête de l'eau. Il se jette alors à l'eau et réussit à ramener l'homme sur la berge. Le 11 novembre 1923, cela fait 5 ans déjà, que dans la clairière de Rotonde, le maréchal Foch a apposé sa signature sur la convention d'armistice. 5 ans déjà que Clémenceau a présenté l'armistice à la Chambre des députés, saluant l'Alsace et la Lorraine retrouvées, honorant nos grands morts qui ont fait cette victoire. Et dans cette heure terrible, à l'appel du carillon des églises et des beffrois, dans le silence des canons qui se sont tus, coulent à travers tout le pays des larmes de soulagement et de fierté. Le 11 novembre 1923, cela fait 5 ans que les blessures cicatrisent lentement, sur les visages des gueules cassées, dans le cœur des veuves, dans la solitude des orphelins, devant les tombes ouvertes pour un fils ou un père. Au pied des monuments aux morts dont s'est couvert le pays, les Français sont devenus les sentinelles de l'oubli. Les autorités civiles et militaires vont maintenant procéder ensemble au dépôt des gerbes. À gauche.
remords.